elle n'a pas tous garé, il y en avait là. C'est terrible, nous n'arrivons pas à réaliser. Nous sommes tous concernés et les gilets jaunes se sentent orphelins de ton image, de ta pensée et de ton amitié. Pour la plupart, nous t'avons connu seulement depuis quelques mois et pourtant nous avons l'impression de t'avoir toujours côtoyé. Tu étais devenu notre ami. Partout où tu t'impliquais, tu acceptais tout le monde avec ses différences, sans porter aucun jugement. Tu étais un vrai combattant, disponible, qui fédère, temporise le groupe, éclaire, explique et conduit sans vergogne vers la lutte. Fidèle et enjoué, ta disparition va laisser un grand vide dans notre cœur. Merci à toi pour ton énergie, ton dévouement sans limite. Tu étais un grand homme, loyal et vrai, sans détour, axé sur la défense du plus faible, avec force et honneur, pour un monde meilleur. Toutes celles et tous ceux qui ont croisé ton chemin ont eu la chance de partager toutes ces richesses. Aujourd'hui, tu es notre exemple. Et en ta mémoire, nous devons tous continuer dignement la lutte pour connaître nos droits. C'est avec le cœur serré que tous les gilets jaunes te saluent, l'ami, et adressent à ta famille un profond respect et une grande sollicitude. Fraternité, comme tu aimais le dire, repose en paix. Mesdames et messieurs, on est là, on est là, on est là, on est là, même si on est
si Macron ne veut pas nous, on est là. Pour la mère des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas nous, on est là. Merci de la part de la Libre Pensée aussi pour ton combat militant, social, laïque, anticapitaliste, pacifiste. Le 18, on a pris l'Europe, le 17, voilà. J'ai fait l'Europe avec mon petit. Voilà, on a même pas profité. Je vois pas ce que vous voulez. Parce qu'il en a question. Il a 25, je crois que c'est 6.